Et salut les amis, c'est Jordan 20 de 58 et on se retrouve pour la vidéo sur The Witcher 3. On y va. Là on va faire une vidéo sur donc des quêtes, donc pas des quêtes secondaires puisque j'en ai pas assez. Je pourrais vous en montrer que deux vu que j'en ai pas assez, donc voilà. Donc je ferai plus tard quand j'en aurai plus de quêtes secondaires. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la piste de Nigarien, donc une quête principale, donc chercher l'agent nommé Hendrik au village de Bourg-la-Lande. Donc c'est parti, on va y aller. Donc le point est déjà mis, hein. Il faut juste à suivre les petits points. Voilà, les petits points. Donc j'y vais, donc c'est en haut d'une colline. Hein. En Donc avant. c'est parti, on va faire la piste. Hein. Par la piste. Donc c'est par là-bas, ouais, je vais pas suivre le chemin, prendre un petit raccourci. Hein. Hop 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 là. L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume. Ah, et déjà il y a un peu de neige par terre. Déjà là il y a des gens à battre. Des points rouges sur la map. Donc on va y aller. Ah, c'est pas des gens, c'est des bêtes. Donc quête mise à jour. Ça veut dire qu'on est en train de faire la quête là. Avec les portiers. Ah, ça fait semble. Hop. Et voilà. Petite cinématique. Moi je Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Je vais pas te faire de mal. Calmez-vous, c'est fini. Oui. Tout est fini, perdu à jamais, gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça, souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. D'accord. Il y a un truc pas net qui s'est passé ici. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. C'était fou, hein. Faut attention. Hein. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir.
D'accord. Dès qu'on cherche, est mort. La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine ? Non. Ils ne comptaient pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Ah bon, bon, allez, on va voir où est mort notre cher ami. Ah oui, d'accord. Attends, on peut prendre des choses. Alors, ça c'est des sous-sous. Ok, le mec s'est préparé à manger, donc on a blague. C'est tout. Moi, hein. Ouais, c'est tout. On va examiner le corps. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Non, fouillez ses poches. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Regarde dans son gilet. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort. Il n'y a rien ici. Et chercher dans ses bottes. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. D'accord. Fouiller la cabane de l'agent nommé Hendrix et la devant son de sorcellaire. Bon bah c'est parti. Ah bah oui. C'est juste là. Hein. Tout simple. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Débrouillé. Voilà. On descend en bas. Disparition. Fils du baron sans le temps. Enlèvement sur. Ah oui, c'est Siri ça, non? Je crois. Hein. Bon, on va fouiller. Là, on a quelque chose. Ok, des sous-sous encore. Non, je veux pas. Objet de malheur à l'abandon. A-t-il perdu l'esprit? On va pouvoir mieux voir. Examiner. Intéressant. Un passé secret? Ouais, peut-être. Ah non, il y a dedans. Un registre? Paiement pour un sac de grain, montant dû pour une livraison de charbon. Hendrix se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusées. Voilà des titres intéressants. Alors, avis de recherche. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellig et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Sorcière. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat, conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Et prudence en rigueur. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants.
Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel, un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrick recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. D'accord. En fait, la femme qu'on a vue accrocher sur le panneau, c'est le baron, en fait. Et c'est une sorcière. Ok, c'est ça, en fait. C'est une sorcière, ça. Disparition, fin du baron, sans l'an. Ouais. Tamara Stranger, c'est... Note d'Hendrick. Oh, j'ai pas envie de dire. Et voilà, donc on a fini la quête principale. Suivre cette quête, chasse à la sorcière. Nouvelle quête. Bon, ben on va la faire. Trouvez la sorcière par vos propres moyens ou demandez aux habitants de Aubrey où elle réside. Bon, ben on va faire cette quête. Donc, principale. Donc, c'est parti, les amis. On y va. Ça se trouve où ça? Parce que ça se trouve... Ah ouais, d'accord. Un peu loin. On va quand même y aller, c'est pas grave. C'est parti, go. Allez, go, 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 go. En avant. J'aimerais bien un peu fouiner dans les maisons, mais bon, c'est pas grave. On va y aller. Donc aussi vous avez l'endurance du cheval, en fait c'est un peu comme Red Dead Redemption. Et en plus de cela ils ont mis la barre de d'intimité du cheval, en fait, s'il a peur ou pas. Après, là, y a des... on va les battre. Oh, oh yes. Tu es niqué. Par contre là j'aime pas trop parce qu'en fait il y a un mec qui tire des flèches. On va le buter. C'est un monde qui aura plus de flèches. Ah, il a perdu sa tête. On les enflamme. Tiens, ce que je t'ai mis. Hop là, on va esquiver un peu. S'il te plaît, mon épée en argent. Et cinématique. Ah, je mange dans le feu, moi. Alors, cuir du cid, le chaton s'en fout. Peau de goût. Ah là, il y a des trucs à ramasser. Charbon, j'ai arraché. Ça s'en fout. Et je crois qu'il n'y a que ça. Oh, dans la maison. Ah non, il n'y a pas que ça. Ah, de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Pour s'hydrater un peu. Et boire. À notre santé. Bon, j'ai un peu n'importe quoi. Charbon. On prend quand même. Poupée de magie noire. Mais j'en ai deux, en fait. Bon. Aïe, je brûle. Pousse-toi, Blette. Alors, sans doute une poulie pour manger. Pareil pour manger. Bon, allez aux blettes. Alors. Allez, on continue à blettes. Ah oui, là t'es bloqué, désolé. On va continuer. Allez. Que c'était c'est une quête secondaire. D'accord, au moins on le saura. Donc on va aller direct à la quête. Voilà. Donc on a trouvé une quête secondaire. Oh, il y avait juste une éclair juste devant moi là. Encore un. Ouais, comment ça peut voir. Oh, il pleut.
atterrir au village. Non, c'est pas vrai. Oula, 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 c'est quoi ça? Dis ton corps. Ah, il me suit! Vite, cours! Ouais, c'est bon. Va. Descendons là. Là, il y a le cercle. Trouve la sorcière par vos propres moyens. Demande de l'autre. D'accord, trouve la sorcière. Je cherche la sorcière du village. Cherchez si ça vous chante. Moi, je sais rien. Oh, je vous demande, monsieur. Tu peux pas être au moulin, hein. Tu te laisses occuper. Vous désirez ? Ouais. Si je parle, c'est juste. Jean Gabriel, méfiez-vous des ruelles. Armement automatique, tenue à une main. Tirez le premier pour avoir le dernier mot. Oh non, mais c'est juste pour acheter des trucs, ça. Adieu. Je m'en fous, moi, je veux parler aux gens. Il veut pas. Mieux vaut pas mettre les pieds à perche. Bah, ouais. Il veut pas. Il veut pas. On peut pas rentrer dans la maison. Ah. Une femme. Je devrais le renvoyer chez la sorcière. C'est pas naturel d'être aussi feignant. Salutations. Bonjour, messire. Qu'est-ce que vous voulez ? Je cherche la sorcière, madame. J'aimerais voir la sorcière du village. Vous pourriez me dire où elle est ? Je suis policier. Moi, la sorcière, je m'approche pas d'elle. Faut voir ça avec mon homme. L'autre jour, il s'est coincé le dos. Il pouvait même plus se tenir droit. Il est revenu de chez la sorcière, frais comme un gardon. Où est-il ? Sûrement dans le jardin. Depuis qu'il est guéri, il est mou comme une chique. On a des bouches à nourrir, pourtant. C'est pas comme le bonhomme de Marianne. Lui, c'est un bon chef de famille. Paraît qu'il attrape même des radeaux pour ses enfants. Ah, rien, truc, faut aller voir son mari. Je crois que je suis déjà allé voir son mari. Ouais, il m'a rien dit. Bonjour. Il paraît que vous savez où trouver la sorcière du village. Et qui vous a dit ça? Votre femme. La godiche. Laissez-moi tranquille. Cette gourde vous a raconté des histoires. On n'a pas eu de sorcière dans ce village depuis des lustres. Ah ouais, je dois le payer le mec pour qu'il me donne sa position. Deux minutes, je reviens les gars. Deux minutes. Désolé. Bon, on va le payer, hein. C'est pas grave. Quelques couronnes hein. Pourraient vous rafraîchir la mémoire. Ma foi, c'est vrai que, vu comme ça... Vous voyez l'étang, près du village? Il y a un petit chemin, pas loin. Vous le suivez jusqu'à trouver un gros rocher. Tournez à droite, après le rocher, et enfoncez-vous dans les bois. Ensuite, c'est tout droit, jusqu'au vieux chariot. Merci. Je sais que les hommes dans votre genre ne font pas de sentiments, mais... Ne lui faites pas de mal. Comment ça, dans mon genre? Ben... Les chasseurs de sorcières. Ok, je suis pas intéressé du changement. Votre sorcière n'a rien à craindre de moi, je vous assure. Oh, tant mieux, messire, tant mieux. Elle vient tout juste d'arriver, mais elle sait bien des choses, assurément. Et elle n'est pas bien grosse, mais elle se laisse regarder. Merci de votre aide. Au revoir. Alors, si j'ai bien compris, elle fait aucun mal à personne en fait. Elle est gentille. Attends, c'est une sorcière. Alors, attendez. D'accord. Bon. On va trouver donc la mare près du village. Donc, elle est dans la mare. Il doit y avoir un gros rocher près de l'étang. On va aller voir. Côté des temps, il y a un truc gros rocher. Et après on va s'enfoncer dans la forêt. Ah mais il est là au rocher. Maintenant à droite, direction le chariot.
À droite, direction le chariot. Allez, c'est parti, mourir. Oh, il y a des gens là. Oh putain, il y a des. On a vu tout à l'heure là. Ça, ils sont pas trop résistants. Par contre, ils donnent des claques. Dire dans Black Ops là, il y a dans BO2 là, les petits golems là, on dirait un peu, hein. Voilà. Ils ont quoi sur eux? Ok, que des trucs de monstres quoi. Ok, si on veut. Ah bah elle est là, le chariot. La cabane de la sorcière ne doit plus être loin. Voilà, on va y aller. Bonjour madame sorcière, je viens en paix. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Mamselle, la vache souffle comme une vieille forge. Et elle tient même plus debout. Elle a du pus qui coule par le museau. Et alors, tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme? Ça non, mais vous savez des choses. C'est la dernière vache du village. Celles qui sont pas mortes de faim, les soldats les ont prises. Sans elles, on passera pas l'hiver. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit, puis fais boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables, c'est bien compris? Merci, mamselle. Mille merci. Oui, oui, c'est bien. Allez, Oust, ça suffit pour aujourd'hui. C'est la sorcière. D'accord. On va aller à la sorcière dans la salle. Attention à ce que tu peux lui dire dans sa maison quand même. Il y a quelqu'un? Où a-t-elle bien pu passer? Genre. Enflammé. Et passé où en fait? Un pentagramme. Tracé à la craie. Un pentagramme. Tracé à la craie. Impressionnante collection. Ah, merde. Impressionnante collection. Oh, il y a une trappe. Ah bah voyons, où t'es caché toi? Ah bah voilà, il y a le page de manuscrit là. Minerai raffiné. Dérapation, résine. Oh. Aussi. Attendez parce que je vais voir un peu. S'il n'y a pas d'autres trucs à ramasser qui est important. On va descendre en bas là. On a trouvé la trappe. Elle est où là. J'y étais en plus. Je suis trop con. Voilà. Plus qu'on s'en fout ça. Ficelle, on prend. On prend aussi. Elle est passée où là en fait? C'est pour là qu'il faut aller, hein.
Ce genre d'ornement n'est pas monnaie courante, Avelaine. Il dégage une puissante aura. C'est sûrement un artefact. C'est donc par là que la sorcière du village s'est volatilisée. Ah, un portail, d'accord. Moi, je suis le bordel à 8 ans. Oh non, d'accord. Bon, c'est beaucoup de chambres à y aller, à un moment. Chasse à la sorcière. Ça, par exemple, pas mal. Genre. Oh, il y a un cerf et tout. On peut pas tuer. Non, on peut pas. Moi je vais tuer tout le monde. Je vais ramasser le petit livre là. Voilà. Sans elfe. Sans elfe. Hey, je me demandais combien de temps ça te prendrait, Geralt. Je suis à l'étage. Ne sois pas timide. Elle me connaît. Elle me connaît. Salutations, sorceleur. Eh oui, elle me connaît. Oh, pense à douche. T'as oublié un endroit. Où ça? Oh, il était. T'es venu pour te rincer l'œil? Non, pour parler. Retourne-toi et attends. S'habiller comme ça. Keramès, perdu en plein cœur de Vélène. Je croyais que tu détestais la campagne. Je la déteste plus que jamais, crois-moi. Quand j'ai entendu dire qu'une sorcière vivait dans le coin, je n'imaginais pas tomber sur l'ex-conseillère du roi Foltest. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien, propre aux enfants, aux chevaliers errants et aux simplets. J'ai touché une corde sensible, on dirait. C'est comme ça que tu accueilles un vieil ami. Tu ne l'as pas trouvé agréable, mon accueil? Allons, dis-moi plutôt ce qui t'amène ici. Oh. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Vraiment? Et qui est-elle? Yennefer. Ah non, Ciri, pardon. Je cherche Ciri, ma fille. Personne ne doit le savoir, tu comprends? Ciri est ici? La fille recherchée par la loge des magiciennes et par la plupart des souverains du continent a atterri ici, à Vélène? Et je n'en ai même pas entendu parler? Que vient-elle faire ici? Apparemment, elle se cache. J'ai entendu dire qu'elle s'était querellée avec une sorcière, mais si tu n'as rien entendu, tu es sûr que tu ne l'as pas vue? Non, je ne l'ai pas vue, j'en suis certaine. Mais récemment, un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés. Qui était-ce? Pas si vite, Geralt. Tu n'as pas une petite offrande pour la sorcière? Ah, je vais la payer maintenant. C'est quoi tes tarifs? Une douzaine d'œufs, trois poules? Continue comme ça et le prix sera bientôt au-dessus de tes moyens. Oh, je te trouve bien susceptible. Tu vis au contact de la nature. Tu devrais être plus calme, plus sereine. Je hais la nature. Ne me regarde pas comme ça, Geralt. Je sais très bien qu'il s'agit de Ciri. L'homme qui cherchait Ciri là, c'était un elfe. Et pas un Scoia'tael pouilleux. Un mage. Il a dit comment il s'appelait? Non. Et il portait un masque en plus. Il était vraiment très secret, mais aussi très intelligent et très calme. Il t'a dit pourquoi il cherchait Ciri? Non, il m'a juste dit qu'il devait se retrouver à Vélène. Il voulait savoir si elle était arrivée avant lui. Il a laissé un message pour elle? Non, mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais.
Donc tu sais où le trouver? Oui, il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfes, près du village de Aubreuil. Je vais venir avec toi. Pourquoi? Tu as peur que je me perde? J'ai une petite affaire à régler avec l'elfe. Il m'a promis quelque chose, mais j'attends encore. Et puis, je suis sûre que tu espères trouver Ciri là-bas. J'aimerais la revoir, moi aussi. Bien, allons-y. Oui, en avant. Ah oh bon, on y va, hein. C'est parti. Hein. Je sais pas si on va y aller en voyage direct ou en cheval. Nous y sommes. Tu es déjà venu ici? Non. J'espérais juste que l'elfe revienne, ou que la fille finirait par apparaître. Mais pour ce qui est de cet endroit, je sais absolument pas à quoi m'attendre. On le saura bientôt. Et donc les amis, je suis désolé, mais on va s'arrêter ici. Parce que je peux pas faire, je peux pas filmer plus par rapport à mon petit montage. Et donc j'espère que ça vous a plu. Donc il y aura des quêtes secondaires, comme je vous ai promis. Voilà, donc il y aura pas la suite de ce petit épisode, je suis désolé. Et je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu et abonnez-vous. Ciao, ciao.